Je m'appelle Kamfwa Mopenda Isaac, directeur provincial de l'Agence congolaise des grands travaux au Grand Kivu. Je me suis fait accompagner de la mission de contrôle qui est représentée par M. Yves Kahacha et Mme Christelle Mugula, et aussi par le directeur du projet, M. Don. Je suis l'ingénieur Mugula Christelle, contrôleur de travaux sur la route nationale numéro 5. Du PK30 au PK37, nous sommes en train de faire les travaux de suppression de bourbier, travaux de rechargement. Nous sommes aussi en train de faire la canalisation des eaux, parce que c'est de là que vient le problème. Donc, à part le rechargement et le compactage, nous avons fait une évaluation du PK37 jusqu'au PK43 pour voir aussi les dégradations et voir comment est-ce que nous pouvons faire un plaidoyer pour qu'on ait des fonds nécessaires pour continuer la suppression de bourbier sur ce tronçon. Chauffeur, ouvrez la toque à 5 mètres.
Asante. Sur demande du gouvernement provincial à la direction générale, la direction générale de l'Agence congolaise des grands travaux, ACGT, que les travaux d'urgence du tronçon P430, ça fait Businga, au P437, que sont en cours d'exécution. Alors nous sommes venus nous rendre compte de l'évolution de ces travaux et en même temps faire l'évaluation du tronçon PK37 jusqu'au PK43, là où que ça commence à manifester une dégradation un peu avancée. Voici au moins ce que nous pouvions dire. Ces travaux sont des travaux urgents qui seront accompagnés par après par les travaux du projet qui consiste aussi à l'asphaltage de ces tronçons. Ça signifie que avant que ces travaux définitifs arrivent à ce point,
il nous faut tout faire pour permettre à ce que les véhicules puissent passer, pour permettre à ce que le trafic soit maintenu sur ces tronçons. Bon, nous avons invité la presse pour qu'elle puisse transmettre correctement l'évolution des travaux du PK10 au PK55. Présentement, avec l'évolution, nous évoluons du PK10 en allant vers le PK55, mais nous sommes déjà au niveau du PK15. C'est là-bas que les travaux s'effectuent présentement parce que c'est la TEL qui doit faire voir à la population du sud et du nord Kivu, surtout pour voir si réellement le chef de l'État a tenu à sa promesse. Ok, comme vous le savez très bien, c'est depuis le 29 septembre que les travaux sur le tronçon Bukavu-Kamanyola ont débuté. Et ces travaux ont commencé à partir de Nyantende, puisque la partie place du 24 jusqu'à Nyantende, elle a déjà été asphaltée. Et c'est en fait dans la continuité de ce même projet qui doit nous permettre d'asphalter ce tronçon jusqu'à Kamanyola. Actuellement, les travaux, on est en train de construire les canalisations, ça signifie les caniveaux. Également, bientôt, nous allons commencer la pose des bus et autres voies de franchissement. Et ces travaux seront suivis directement par l'exécution de la couche de fondation et directement la couche de base. L'objectif de l'entreprise Sinohydro 14 et de la CGT, c'est d'asphalter le plus tôt possible ces tronçons-là pour nous permettre directement de continuer et d'espérer achever ces travaux le plus tôt possible. Pour rappel, Bukavu-Kamanyola, c'est 55 km, Nyantende-Kamanyola, c'est 45 km. Et c'est sur ces 45 km-là que nous allons travailler pendant toutes ces périodes jusqu'à arriver à la fin du projet.